Il était 1h du matin, tilala, lila, lila. Il restait un bout de pleine lune. Alors, nous étions donc de retour à la Ribalie la nuit, comme ça. Je suis par le passé. Bon, vendredi soir, ça va un peu merder. Heureusement, j'étais parti avant parce que. En aucun cas j'ai envie d'être violent. Si quelqu'un il fait du mal à quelqu'un que j'aime bien, ça y est, l'autorisation. Ben, c'est pas grave. Oh, il y avait, comment elle s'appelle, notre poète, Automne, grand-mère, elle a magnétisé tout, oh, j'étais super tranquille. Je suis rentré avec Hugo. Il était plutôt du côté de Comte. Moi justement je préfère reprendre du comté que de la tombe de Hollande, mais enfin c'est pas grave. Puis pas du Sarkozy ou du Escrozy ou du Ciotti quand même. Ils s'en mettent le cul dans le pognon là. En fait ils ont rien à foutre, ils emmerdent tout le monde. Ils veulent leur mondial de mes couilles, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est le cerveau reptilien, ils ont bien expliqué ça sans ça. Oh. Le pire, c'est qu'ils ne boivent pas, qu'ils ne fument pas. Ils doivent cacher, hein. Les gens du pouvoir. Hein. Ils aiment bien les partous en yatch avec de la coque un peu, tu sais, faut pas croire. Hein. C'est comme le petit Zodiac à Berlin Tapir. Hein. Tu vois, un peu des trucs comme ça. Comme les gamines à Saint-Tropez, tu sais, ça va se faire chier à bosser au Super U pour 1300 balles par mois. Elle se fait niquer deux fois sur un bateau. Elle gagne le double en deux fois, elle bosse deux soirs par jour. Enfin, tu vois. Il était minuit dans la main, dans la nuit dans la main, couvert de brume. Ouais, par-dessus les temps. C'est même pas des ouailles sauvages. C'est des bâtards. Hein. C'est tout, on appelle comme ça. Hein. Un bon riche, c'est quand il est mort. Un bon capitaliste, c'est quand il est mort. T'enlèverais ces putains de fils de pute du pouvoir de merde. Oh, il y aurait la paix sur Terre. Le mec qui vend des armes, l'autre là. Il est content parce qu'il a vendu 3 rafales de sous-marins. Ça y est, il fait son beau. La guerre au Mali, là, pendant le mariage gay, c'était pourquoi ? C'était pour niquer l'uranium. C'est plus compliqué. Ça, tu le verras pas à la télé, tu le verras pas chez Drucker. Hein. Peut-être sur Arte, des fois, le soir au fond des bois. J'aime le son de la tronçonneuse, le soir au fond des bois. Gorgo le sale, ni homme, ni bête, ni animal, mais sur sa terre, il règne en maître. Oui, hein, pas facile non plus. Je voulais juste être chef d'état d'âme. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Mon mai 68 en 2016, il reste plus beaucoup de jours, mais ça va, c'est bien en train de péter partout. Il y aurait Coluche, il aurait dit l'arrêto là tel comme rien. Comme ça là. Il y en a marre. Mais ils sont tous sous l'exomile en France, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont tous plein de cachetons, Zolpidem, style Nox là. Il n'y en a pas qu'un esprit là-dedans. Si elle est debout, moi j'aime bien. Il y a des tronches, ça fait plaisir. Voir des humains encore non formatés, non normalisés, qui ont encore un cerveau. On a la foutre qui boit ou qui fume ou qui font rien du tout. C'est pareil. C'est pour la dopamine. C'est ce qui fait que t'es content ou que t'es pas content. Là, le lundi, je vais à Sensas, et ben c'est Sensas. Expliquer un peu le cerveau, aussi bien que le toubib presque, sauf que l'autre, je parle de supraconduction synapsoïdale, mais il n'y a personne qui capte un beignet là-dedans. Je fais que ça tout le temps, tous les jours. Je vous le dis franchement, pour être dans une merde, dans une misère pareille, ça me fait chier de me réveiller le matin. Par contre, je suis content d'aller me coucher. Voilà. Tu purges un peu le frein, tu secoues le bordel, pas besoin de bonne femme, pas besoin de rien, t'es dans ta grotte, c'est pour se prendre la tête, c'est pas la peine. Voilà,
Et là, 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 couvert de brume. Si ça va. J'étais tranquille, j'étais pédant. Je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard. Sur sa grosse moto, super chouette. A toujours avec mon blouson, moi j'ai dit. Laisse béton. Si ça va. Mais l'arrête là, telle connerie. Non. On va pas dire comme ça. Eh oui.